Et salut tout le monde, c'est Dre14, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série Minecraft en survie. Et cette fois, ce sera vraiment le dernier épisode. Là, cette fois, je vais turbiner pour finir la villa que je construis, évidemment. Ceci dit, bah, il ne me reste plus que les balcons que j'avais déjà commencé la dernière fois, en faisant déjà les piliers. Bah, maintenant, ce qui reste, bah, c'est le bois, afin déjà de faire la surface dans laquelle on pourra marcher dessus. Bon, ceci dit, j'ai quand même vérifié un peu avant de commencer. Normalement, au niveau du bois, ça devrait quand même le faire. Je devrais normalement en avoir assez. Et puis je pense aussi peut-être faire un chemin en pierre sous le balcon justement. Donc ça, je m'y attaquerai bah, à la fin. Donc voilà, il reste encore quelques arbres, donc on va évidemment en profiter pour voilà, miner évidemment le bois. Comme à chaque début d'épisode, hein, j'ai toujours commencé par ça d'ailleurs. En général, bien sûr. Là, un bout de tronc qui reste. Et évidemment, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y aura un petit bonus en fin d'épisode. Ah bah voilà, j'avais bien fait d'en faire une la dernière fois. Donc voilà, ça, vous aurez droit à ça en fin de vidéo. Donc effectivement, ici, il reste plus grand-chose, hein, de ce côté-là. Hein, depuis le début de cette petite série survie, bah, j'ai déjà tout... J'ai déjà tout miné en ce qui concerne le bois, hein. Il reste plus d'arbres. Ah bah en fait il n'y avait plus qu'un bloc. C'est pas très grave. Hop, on va récupérer ça. Oh bonjour! On va te tuer petit creeper. Ah bah il s'est suicidé. Bon bah au moins c'était rapide. Donc on va pouvoir continuer. On va récupérer encore quelques petits blocs. Est-ce qu'il reste... Oui, il reste encore un arbre. Oula, je suis en train de... Ouais, j'ai activé la fonction du fly sans le faire exprès. Hop, ah bah c'est un arbre beaucoup plus grand que je ne le pensais en fait. Bon bah ça nous fait déjà 37 blocs, c'est pas... C'est déjà beaucoup... C'est déjà pas mal, donc on va pouvoir déjà commencer. Bon déjà je devrais pouvoir faire une bonne partie... Des balcons, voilà. Excusez-moi, j'ai bugué. Sachant que je vais également rajouter, voilà, sur les côtés. Enfin, voilà, au niveau des piliers. Parce que dessus, c'est au-dessus de ces blocs-là, je rajouterai également des barrières. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, c'est qu'on va directement. Voilà, je vais directement m'attaquer à la ligne de blocs. Voilà, entre les piliers. Avant de faire l'intérieur. Oula. J'ai été bloqué. Donc ici, on va ça, voilà, on va s'arrêter là-dessus. Je vais juste commencer, voilà, l'intérieur. Bon, ça au moins, ça va être rapide. Je sais pas si je vais en avoir assez, par contre, pour faire déjà toute, oula, tout le balcon déjà de ce côté-là. Toute façon, on va vérifier ça maintenant. Aussi, aussi, juste assez. Pile un stack de blocs. Bon bah comme ça au moins de ce côté-là c'est quasiment fini. Alors là effectivement c'est des barrières qui vont poser peut-être un peu problème. Oui donc là voilà on peut comme vous pouvez vous rentrer et sortir. On va donc faire d'autres blocs. Alors je sais que les barrières par contre ça demande aussi la confection de bâtons et tout. Donc ça demande beaucoup plus de bois forcément. Ah bah voilà bah, déjà j'avais plus de bâtons. Donc on va en faire le plus possible. Bon, déjà avec ce que j'ai fait, ça devrait être suffisant pour terminer le balcon de ce côté-là. Et puis je commencerai évidemment à faire celui de l'autre côté. Alors par contre, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais bon, l'éclairage dans la maison, après, c'est pas non plus ce qui m'intéresse. Bon, là, évidemment, en fin de journée, forcément, c'est un peu moins éclairé. Mais bon, ça, je ferai pas, je m'occuperai pas de ça dans ma série. Hein. Ça, ce sera... Là, je construis juste la maison, comme je vous l'ai dit. Même en ce qui concerne les pièces, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ouais, donc effectivement, il ne me reste plus rien. Donc là, on va en faire d'autres. On va en profiter aussi pour faire quelques barrières déjà d'avance. Alors, c'est vrai que là, si j'ai pas mon établi à la main, ça va pas le faire. On va déjà faire ça. Voilà. Donc avec ce que j'ai, on va déjà commencer. Ouais,
On va donc. Ouais, je vais fabriquer d'autres barrières. Comme ça, ce sera déjà fait. Évidemment, il faut encore des bâtons. Bah d'ailleurs, voilà, on va déjà tout consommer en ce qui concerne les troncs. Bon, de toute façon, il faudra que évidemment que j'aille rechercher encore un peu de bois. Bon, bah voilà tout ce qu'on peut faire. Les barrières, bon, je m'occuperai de ça après. Donc là, je vais devoir être obligé d'aller en chercher. Hop, ouais, donc les pousses, on s'en fout, on va les planter. On va aller voir par ici, parce que c'est vrai que j'avais déjà commencé un peu à voir par là. Normalement, si c'est le même type de bois, ça devrait être bon. Ouais, 6 bois d'épicéa, ça devrait être ça. Normalement, je devrais obtenir, on va dire, le même coloris en ce qui concerne les planches de bois. On va casser ça. Donc oui, normalement, ça devrait tenir jusqu'à la fin. C'est vrai que j'avais pas prévu ça avant de commencer, mais bon. Au final, ça va, ça se passe bien. Ça fait bien, évidemment, voilà, les bonnes couleurs de planches, donc les planches de sapin. Donc c'est parfait, ça c'est un petit peu trop haut. On va aller en rechercher d'autres. Il faut que j'arrête. Voilà. Ce le vol, c'est bien, mais si ça s'active sans le faire exprès. Enfin, si je l'active tout le temps sans faire exprès, ça va me gêner un peu. Hop, voilà. Je vais pas non plus en miner des tonnes du bois, de toute façon. Surtout qu'en général, j'en mine toujours. Enfin, voilà, j'en mine trop déjà. J'en mine plus que je n'en consomme, on va dire. Donc avec ce que j'ai déjà récupéré, ça devrait le faire. Surtout qu'après, par contre, il va falloir que je m'occupe de miner de la pierre aussi. Vu que sous les balcons, j'aménagerai, on va dire, un petit passage de pierre à la place des blocs d'herbe. Hop, voilà, donc ça c'est fait. Hop, bon, je pense pas qu'il y en aura besoin de 50 hein, pour finir le balcon, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on va pouvoir terminer. De toute façon, je suis arrivé à un moment où je m'en fiche légèrement, de toute façon. Il faut que je termine ça au plus vite. Donc maintenant, on n'a plus qu'à s'occuper des barrières. Avec ce que j'ai, on va voir si c'est déjà suffisant. Sinon, bah évidemment, j'en construirai d'autres. Mais là, je crois que... Ouais, non, c'est un petit peu trop juste. Il me manque encore 5. Donc c'est pas grave, on va aller s'occuper de ça. Toute façon, on est quasiment à la fin. Donc voilà. Hop, bon 6, bon ça fait un petit peu plus que, que ce qui était demandé, on va dire. Mais bon, c'est pas bien grave. Au moins ce sera fini. Voilà. Donc en ce qui concerne, pardon, la maison en elle-même, au moins j'aurai déjà tout fini. Hop, faut que j'arrête. Ouais, voilà, c'est avec les barrières, malheureusement mes sauts sont raccourcis. Donc voilà, admirez le résultat, quand même. Ça aura pris du temps, mais bon, au moins c'est fini. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, alors oui, alors c'est vrai qu'il y avait du verre que j'avais déjà fait à l'époque, il y a un petit moment, mais bon, je m'en suis pas servi. Je vais d'ailleurs me faire une pioche parce que comme je vais devoir éliminer de la pierre, et bah sans pioche, ça va être un peu compliqué. Donc on va retourner au même endroit où j'avais déjà miné de la pierre depuis le début de la série. Voilà, il en reste encore beaucoup, donc ce sera largement suffisant. Donc le sol, en fait, je vais le faire avec des demi-dalles hein, de pierre. Donc voilà, ça va pas non plus demander une tonne de pierre, mais bon, comme ça, je m'en fais aussi un petit peu d'avance au cas où. Donc voilà, vaut mieux en miner le plus possible, évidemment. Ah, la pluie vient à notre rencontre, c'est génial. Hop, j'aimerais récupérer celui qui est là-haut. Bon, sinon je pense que là, en ce qui concerne le quota de pierre, ça devrait être bon. Hop, voilà.
Donc on va pouvoir commencer la fin de notre construction. Alors là, il va falloir que je creuse la terre. Alors, je crois que j'avais une... Je crois que... Ah bah oui, j'avais une pelle, oui, je suis con. Avec une pelle, c'est quand même déjà beaucoup plus rapide, hein. Une pelle en fer en plus. Celle que j'avais déjà faite il y a déjà un moment. Donc l'avantage étant que ça va déjà beaucoup plus vite comme ça. À la main, ça aurait été évidemment beaucoup plus chiant. Bon, en tout cas, n'hésitez pas évidemment à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série. Si ça vous a plu, on va dire en majorité, peut-être que j'en referai d'autres. Avec d'autres constructions, évidemment. Parce que bon voilà, pour le moment, bah, évidemment, j'en prévois pas d'en faire d'autres. Hein. J'avais juste fait ça, on va dire, pour fun. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à dire votre avis. Oula. C'est l'appel en fer, ça creuse tellement vite que des fois je fais un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, on continue, on continue, on continue. Oula, oula! Qu'est-ce que ça fout là, ça? Ah, je m'attendais pas à ce qu'il y aurait un lac d'eau souterrain en dessous du sol. Bah du coup, c'est pas grave, on va reboucher ça avec de la terre. De toute façon, faut quand même que je termine ça. Bon, de toute façon, ma pelle, elle est quasiment décédée. Voilà. Juste à la fin, donc voilà, les derniers blocs, évidemment, je me les fais à la main, c'est pas bien grave. Ceux-là aussi. Donc maintenant, voilà, on va boucher ça avec de la terre. Oula. Évidemment, moi je fais... Bah voilà, je fais n'importe quoi. Au moins c'est fait, on va pouvoir donc commencer la construction. Donc ça, je m'en débarrasse. Voilà, du sol en pierre. Donc là, on va faire les demi-dalles. Et comme d'habitude, j'ai encore besoin de l'établi parce que c'est chiant. Alors, les demi-dalles, c'est ici. Alors, c'est vrai qu'on peut pas en faire des plus jolis, un peu comme ceci, mais bon, il faut des blocs de pierre normaux. Or, on est obligé d'avoir des blocs de pierre taillés. Donc, à moins d'être évidemment en mode créatif, c'est pas possible. Donc, c'est pas grave, on va se contenter de ça. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire ça aussi avec des blocs de pierre normaux, mais bon, c'est pas bien grave non plus. Donc, voilà, je préfère quand même que ce soit comme ça, c'est un petit peu plus joli. Ensuite, on va en faire un d'autres. Celle-là pour la suite, ça va être un peu suffisant. Ça va pas être suffisant, pardon. Déjà, je crois que 40 ça va être un petit peu juste, hein, par contre. Donc au pire, c'est pas grave, j'irai en reminer encore d'autres afin de terminer. Ouais, non, effectivement, il n'y en aura pas assez. Là, on est encore un petit peu loin. Bon voilà, il n'y a pas une grosse distance encore à couvrir, mais bon, là je vais être obligé du coup d'aller en reminer encore. La joie. De toute façon, je suis pas non plus pressé, hein, on est quasiment à la fin. On va plutôt éliminer là-haut. Voilà, parfait. Bon, ceci dit, je pense pas en avoir besoin de beaucoup. Hein. Bon, c'est vrai que là je me dis, ouais, j'en mine encore pas mal, mais bon, je crois qu'en fait il y en a besoin de très peu pour faire les dernières demi-dalles restantes. Bon, au pire, c'est pas très grave. Hein. Là, avec ce que j'ai, ce sera bien suffisant, hein, je dirais. Hein. Et encore, encore ça, c'est un euphémisme. Hein. Je sais qu'il y en aura largement assez. Hop, on va un peu plus vite comme ça aussi. Ah bah oui, ce 3 blocs ça fait 6 demi-dalles, donc effectivement il y en a largement assez. En fait ça a servi à rien, bon bah de toute façon c'est pas grave, hein. Je connais pas non plus le système de création de Minecraft par cœur. Et bah écoutez, oula, forcément là ça fait un bloc de pierre normal. Et bah j'ai l'honneur de vous dire que la maison, après 10 épisodes, d'ailleurs faut que je me débarrasse de tout ça, la maison est donc désormais terminée pour de bon. Ah, c'est vrai que là je suis quand même content parce que là c'est vrai que cette série a quand même duré beaucoup plus qu'il n'en fallait. Donc voilà, on va se débarrasser de ça. Donc voilà, je suis vraiment fier de mon travail. C'est quand même une jolie maison. Une grande maison même. Donc voilà, c'est plutôt appliqué. Donc évidemment le reste, je m'en occuperai. Enfin, je sais pas, enfin, je m'en occuperai peut-être même pas parce que voilà, j'ai fait juste ça pour cette série. Hein, évidemment, tout ce qui reste en termes de pièces, de ce qu'on pourrait faire. Là, il y a encore le choix. Sinon, voilà, la maison en elle-même, elle est, on va dire, elle est habitable. Hein. Attends, bah, je peux faire tout ce que je veux dedans.
Mais bon, ça, je ne ferai pas de vidéo, d'autres vidéos là-dessus. Hein. Maintenant, c'est fini. Et donc voilà, on a les accès directement au balcon ici. Donc voilà, je trouve que ça fait joli ça. Je n'aurais pas eu besoin de faire ça non plus, mais bon. Comme ça permet aussi d'avoir un peu plus d'espace. Et bah écoutez, c'est donc la fin de cette série. Hop, on ferme la porte. Et donc moi, bah comme je vous ai prévu, hein, comme je vous l'avais dit, je vais vous montrer donc une petite surprise dans quelques instants. Donc le temps de charger la map, je vais faire une petite ellipse. Je vous dis donc à tout de suite. Hop, on se retrouve donc. Donc la map que je vais vous montrer maintenant, bah du coup j'y ai travaillé dessus pendant une grosse partie de l'été en fait. Malgré le fait que je n'ai pas repris depuis un moment et que voilà, je n'ai pas du coup terminé. Donc vous allez voir ça tout de suite, vous allez d'ailleurs je pense le reconnaître très rapidement, pour les connaisseurs. Donc on va prendre un bateau pour s'y rendre. Donc en fait le bâtiment, l'énorme construction que je suis en train de faire, en fait il s'agit d'une réplique. Une grosse réplique du Fort Boyard. Une Fort Boyard qui est une émission que j'adore en tout cas. Donc c'est vrai que l'idée m'était venue de faire une réplique il y a déjà plusieurs mois. En fait j'avais déjà fait plusieurs tentatives mais après j'avais lâché parce que voilà ça demande quand même énormément de travail. Là cette fois je suis parvenu à faire quelque chose. Donc ici on peut reconnaître la salle du trésor. Ainsi qu'une petite partie voilà avec ça qui est en guise de chaudron. Là, les sacrifices, enfin voilà. J'ai essayé de faire quelque chose, on va dire, de plutôt sympa. On peut remarquer aussi d'autres salles où il n'y a rien dedans, parce que voilà, en fait, c'est censé être les épreuves, sauf que voilà, j'ai pas évidemment eu le temps de m'y attaquer. Ça aussi, ça va être encore du boulot à faire. Faire ses propres petites épreuves. Donc là, on peut voir que voilà, évidemment, tout est sur plusieurs étages. Donc voilà, alors pour faire quelque chose, déjà rien que ça, la structure du fort, évidemment, elle est terminée. Il faut vraiment que je termine maintenant, c'est les épreuves. La salle du conseil, les prisons, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. La structure, rien qu'en elle-même, elle m'a pris un bon mois de construction. Évidemment, en prenant mon temps, hein, j'ai pas joué non plus à Minecraft 10 heures par jour pour m'attaquer. Oula, voilà ce qui se passe quand on va un peu trop vite. J'ai pas non plus joué à Minecraft 10 heures par jour pour me consacrer à ça. Hein. J'ai vraiment pris mon temps. Donc voilà, je vous laisse admirer un peu le tout. Donc là, on va monter d'ailleurs au dernier étage. Donc voilà, là aussi c'est vide, hein, j'ai pas pu faire grand chose pour le moment. Là, on a une réplique de la tour du Père Fouras, de la Vigie. Même si maintenant, dans les saisons actuelles, c'est la Boyard Academy, mais bon, là j'ai vraiment essayé de faire un Fort Boyard à l'ancienne, quand il y avait encore le Père Fouras ici. Donc voilà, j'ai vraiment pris du plaisir en tout cas à faire cette map, qui en plus n'est pas terminée, mais bon, moi déjà je suis vraiment fier, donc en tout cas j'espère que vous trouvez ça cool. Je sais pas quand je reprendrai ça, mais bon. C'est vrai que je pensais peut-être faire ça en tant qu'émission Minecraft, mais bon, ça, on verra ça quand il y aura un peu plus de succès. Donc voilà. J'espère en tout cas que ce dernier épisode de cette série vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à partager la vidéo, également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas donc à dire également votre avis sur cette série, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'espère en tout cas que cette petite surprise vous a plu, même si c'est pas non plus conseil, on va dire quelque chose d'énorme, mais voilà. Peut-être que je la mettrai en guise de jeu Minecraft un jour, s'il y a un peu plus de succès au niveau des jeux. Donc voilà, merci d'avoir suivi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!